Alors bonjour à toutes et à tous, ici le Gamer Loser Luigi Tel 60 pour la suite de ses aventures sur Super Mario Odyssey. Dans l'épisode précédent, si je ne dis pas de bêtises, on était sur Pétillance. Déjà rien que le nom, ça me fait un peu marrer parce qu'elle m'a opé. Mais bon, ça c'est mon humour en même temps. Je rigole facilement blague, pipi caca. Et en fait, en off, j'ai fait le tournoi de voler ici. J'ai eu la récompense des 100 coups. Petite astuce, mettez le jeu en deux joueurs. Bah, c'est de la triche, mais je m'en fous. C'est donné pour... Ah oui. Et du coup, la fleur ici a éclos. Et pour l'avoir, j'ai fait ça. Attendez, je vous montrerai. Pas ça. Voilà, comme ça. Et je l'ai eu, voilà. Maintenant, on va s'en aller d'ici, même si c'est très joli. Ah oui, c'est joli. C'est tellement génial de faire ce coup-là. Ça, c'est des mini-goombas, je parie. Allez, venez mourir à la chaîne. Voilà, merci. Et du coup, on se barre d'ici. Attendez, je me demande pourquoi à chaque fois, il y a des lunettes. Là. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un coffre avec un drapeau, d'accord. Il n'y a rien à voir. Ah, il y a Captain Toad là-bas. Est-ce qu'on l'avait eu? Je me rappelle même plus. Captain Toad. Ouais, on l'a eu. Ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps, c'est-à-dire 3 jours. Enfin, si je dis pas d'annerie. Par contre, il y a un petit truc qui s'est passé entre-temps. Bah, parce qu'aujourd'hui, on est vendredi 9. Et ils ont annoncé la sortie de Bayonetta 3 sur la Switch. Déjà que j'ai adoré le 1 et le 2, tout simplement. J'étais pas fan à la base de Beat'em All, mais ces deux jeux-là m'ont permis de faire un peu plus de Beat'em All dans ma vie. Ah, le pays de la 64. À ce qui paraît, c'est le pays le plus moche. Moi, j'aurais marqué pays de la 64, hein, pas pays de... pays de la cuisine, hein. Après, je peux dire, je peux penser que c'est moche, mais il y a certaines personnes qui vont dire que c'est beau, mais on va bien voir. Hein. Qu'est-ce qui se passe? On va se faire attaquer, non? D'accord, non. Oui, je m'en fous, allez, tais-toi. Je m'en fous, je sais jouer maintenant. Laisse-moi tranquille. Ouais, donc je disais, aujourd'hui ils ont annoncé la sortie de Bayonetta 3 et des deux premiers qui sont sortis sur Wii, enfin sur PS3 et Xbox, ainsi que sur Wii U, les deux, pour les deux. Est-ce que je vais m'acheter les deux? Ça je pense. Même si j'étais vu sur Wii, ça me fait chier. Enfin, sur Wii U, ça me fait chier. J'ai envie d'aller parler à d'abord. Mais non, mais c'est pas ce que je voulais faire. Ouais, donc je disais, en plus aujourd'hui ils ont aussi annoncé la sortie des DLC gratuits gratuits. Mais merde, la sortie du deuxième DLC de Zelda, ainsi qu'un DLC gratuit sur Mario et les lapins crétins, qui... Et putain, mais rentre dedans. Qui ajoute un nouveau mode de jeu, le mode multijoueur. Ce qui est une bonne idée, ma gueule. Et putain, je vais mettre 5 heures pour rentrer dans cette petite interstice. Ça vient me faire chier. De toute façon, 18 lunes, c'est top. Mais oh là 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 là. C'est pas possible, il veut pas faire ce que je veux, lui. Hein. Là, c'est un de m'embêter. Voilà, merde.
C'est-à-dire qu'on est obligé de prendre le contrôle d'un podogon. Eh mais oui, c'est ça. Hop, on passe par là. Ok, là, il y a une gombette. Viens là, toi. Mais oui, super. On est bien là. Qu'est-ce que c'est ça, des tomates flambées? Je suis une tomate! Bonjour madame. Voulez-vous me faire un bisou? Ah, tu veux me montrer ta lune? La tête qu'elle fait. Elle fait oh mon dieu, un moustachu! Sur lui. Moi j'ai l'impression que des fois il a la tête chercheuse lui. Qu'est-ce qu'il y a par là? Le quel saut mural. J'ai été champion de saut mural de père en fils. Merci. Ok, il y a des trucs de l'autre côté. Pour l'instant, c'est vrai que c'est plutôt moche. C'est pas le meilleur pays. Comme j'ai dit, pour l'instant, les meilleurs pays que j'ai trouvés, c'est les pays avec de l'eau. Surtout, non, les deux, ils sont stylés, moi. Je trouve. Le pays de Sonic Color, voilà, n'en parlons même pas. Il n'y a même pas la peine d'exister. Okay. Après, il y a quoi d'autre comme pays? Juste là. Et quoi d'autre comme pays? Je me rappelle même plus. Le premier, à la rigueur, ouais. Le premier mérite sa place. Hein. Après, il y avait quoi? Les pays de neige. Bon. Je ne vais même pas essayer. Je pense que ça brûle les pépites, ça. Par là, non? Il n'y a pas une possibilité d'y aller. Si peut-être en faisant un tour comme ça. Bonjour, je suis ton copain. Qu'est-ce qu'il faut pas faire juste pour avoir un bloqué d'enfer? Je ne peux pas. C'est bien ce que je pensais. Allez, c'est parti pour la fessée, messieurs, dames. Et on est là pour venir se faire poter le cul. D'accord, c'est le gros. Le faux loup de ville. Allez, viens là. Toi, t'es le plus bidon des quatre. Hein. Voilà, je dis ça et je me prends un coup. Évidemment, je suis prêt. Monsieur, arrêtez de jouer à Splatoon là. Arrêtez-toi. J'ai pas le temps de faire tomber sur une gueule. Allez, viens là. Viens là, mon gros. Arrêtez-toi. Il est bidon celui-là. À la rigueur, le plus chiant, c'est peut-être le. Celui au. Pour l'instant, c'est celui avec le chapeau jaune. Parce que pour savoir là où il va aller, son chapeau, tu sais pas. Enfin, si au début, tu l'envoies tout droit. Après, tu l'envoies en diagonale, enfin, sur le côté. Et après, bah. On sait même pas où est-ce qu'il va l'envoyer, c'est ça le problème, le dernier passage.
sous les crochets, mais c'est moche. Nous sommes à des cordes 64. Nous sommes le décor de 64. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans ce niveau? Oula, je crois que j'allais tomber. J'en étais sûr qu'il y aurait un truc derrière. Ça sentait tellement le truc là. Parce qu'en même temps, j'ai vu ces gros trucs là. Je me suis dit, ah mais il y a sûrement un truc derrière. Il y a beaucoup de trucs dans ma phrase, on s'en fout. Voilà. Oh. C'était stylé mais pas voulu, hein. Ça, c'était voulu. Comme quoi, quand tu sais jouer, hein, tu peux vraiment tout faire dans le jeu. Allez, on se casse. Alors, et là, il y avait le machin. C'est quoi ça? Pourquoi y'a rien? D'accord, y'a un truc. Ça se casse, ok. C'est quoi ça? Bonjour! Je suis une fourchette! Ce volatile mal plumé t'a élevé comme un cheveu sur la soupe. Ok. Nous sommes le pays de la 64. Il y a des pièces en bas, mais je vais pas y aller parce que sinon je vais me brûler le cucu. Un chamboule-tout. Ok, je pensais que tu gagnerais un truc. On va te faire tout chambouler, mais non. Qu'est-ce qu'il y a là? Moi tu refais un petit peu. Rien. Un pixel chat. En même temps, dès que tu vois un truc en multicolore, tu te dis ah, il y a une lune en dessous. Ça aussi, ça se mange. Non, pas du tout. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas... Qu'est-ce que tu veux? Si tu trouves des navets, ok, mais surtout des navets en... C'est ça? Il y a un navet en or. Tiens. Voilà, je te l'ai mis, mais en me brûlant les fesses. Recette du navet d'or. Ah. Donc il y en a plusieurs. Ça, ça me saoule ce genre de conneries. Hein. Je sais pas, ça sent la lune sur un des piliers. J'arrive pas à monter dessus. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais réservé, ok. Faut avoir la tenue du cuistot. Je pense qu'il manque quelques pièces pour pouvoir l'acheter. Vu qu'il y a 100 pièces.
façon, maintenant qu'on a la téléportation, bah, on va récupérer tout ce qu'il y a ici. Ah bah non, là on est du bon côté. Voilà, voilà. Allez, c'était pas ce que j'ai dit. Voilà, c'est ça. Du coup. Je suis un magicien. C'est ce que je voulais faire. Voilà, bonjour, je reprends possession de vous, monsieur. Ah, ça se sentait tellement. Sur l'île de sel dans la lave. Dans la mer de lave. Moi je connais la mer de sable. Hop. Y'a une porte. Qu'est-ce qu'il y aura de derrière? Y'a rien là? C'est pas ça que je voulais, faire. C'est bien ça qu'on puisse voir. Vive la triche du super saut. Voilà, même pas besoin de réutiliser les fourchettes. Grâce au super saut de la mort. Alors. Voilà, merci. Pour l'instant, on n'a pas besoin de la tenue. Il casse ses trucs. Oui, c'est ça. Parce que ça m'étonnerait. Il faut pas s'étonner que quand ils te mettent des ennemis près d'un truc, c'est pour s'en servir. Voilà, tu vas là. On va casser ce gros fromage. Si j'arrive à attaquer. Je crois que tu détruis. Parce que moi je suis dans la nature de tout détruire, de laisser aucune case apparente. Là
là, j'aurais fait ça si j'étais tout seul. C'est pas ce que je fais. On s'en fout, c'est drôle, hein. Je ne sais pas où il est, peut-être en dessous là-bas. Non, je ne veux pas mourir ici. Non, c'est impossible. Ah d'accord, il fallait savoir qu'il y avait un trou ici. Comme quoi il fallait vraiment tout péter. Et maintenant je vais faire quelque chose d'horrible. Voilà, meurs. Meurs dans ta chiasse. Pauvre nouille. Oui, aïe, je t'ai rien fait, moi. Enfin, pas encore. Allons voir qui est le vrai chef. Je dirais qu'il est taré. Ah, je m'en bats les steaks, je vais tout détruire. Je suis un fou. Ah, j'ai mal au bras quand je me trouve secoué. J'ai bien envie de le garder, moi. Comme transformation. On s'en fout. On est fous, nous. Avec plein de poils qui volent, quoi. C'est juste n'importe quoi. Des poils volants, ah. Ok, et... plongeons dans la marmite du fourneau. Si tu veux. Je suis une tomate. On va aller par là. Maintenant qu'il y a les poils au boubou. C'est bon les pièces violettes. Oui, je vais me rater.
course aux notes dans la lave. Mais qu'est-ce qu'il y a? Toutes ces craquelures, hein, blablabla. Ouais, si tu veux. Non. Merci. Des poivrons. Enfin, des poivrons de 64. Digne de la Nintendo 64. Oh, ici. On va voir le tuyau et après je vais voir derrière ce qu'il y a. Ça a l'air d'être un tuyau en 2D. On a plus de temps. On a un aplatissant les craquelures. Et toi t'es qu'une ordure. On s'en fout, YOLO. Non mais tu es mort. Dans ta chiasse. Ok, faut que je regarde le temps. Parce que... si je regarde pas, je vais être dans le caca au bout d'un moment. YOLO! Contrebas des légumes roulants. Il y a rien. Ah, un tableau. Mais serait-ce le château de Peach? Je crois bien. Elle est tellement cool cette cinématique, mais on va la passer. Mais oui! Le royaume champignon! Est-ce qu'on peut y aller? Je demande déjà si on peut y aller. Avec le super saut là. Et... je vais essayer après. Je vais essayer de trouver l'étoile. Ah, en plus, c'est vraiment des étoiles. J'ai pas fait exprès de dire le mot étoile. Parce que j'ai toujours l'habitude des Mario des étoiles. Donc, coucou, je suis allé faire un tour au château de Peach. J'espère que vous n'avez pas besoin de moi. Yoshi. Ah, il y a Yoshi aussi. Voilà, on va faire ça. Hein. Je suis Mario Ramoneur. Oh putain, c'est génial. C'est pas bien de se jouer de la nostalgie des gens, monsieur Nintendo. Ah merde, j'ai un mur invisible. Ah les enfants. Ah putain. Ok, ils veulent vraiment pas qu'on y aille. Hein. En brosse barre. On retourne au niveau de 64. Bah tiens, c'était le château de Peach de 64, donc il faut pas s'étonner qu'il y ait un monde de 64 dedans. Et c'est pas parce qu'il y a des textures en HD qui vont me faire croire que c'est pas un niveau digne de la 64 ce truc-là. Oula. J'allais le rater, monsieur. On va voir ce qu'il y a là-bas. Putain, mais je trouve plein de trucs, c'est pas possible. Je vais jamais finir le truc. Je vais jamais finir l'aventure de ce monde de merde. Ah, enfin, des filles intéressantes, voilà. Épurée, pourquoi j'ai secoué? Oh, j'ai pas fait exprès. Pourquoi tout cela n'arrive qu'à moi? Mais qu'ai-je donc fait? Ribbon John! Aïe, vous êtes très très méchant! Mais je voulais que tu t'accroches! Espèce de vilain plombier italien. Wouhou!
passe. Ah cool, voilà une étoile. Lune. Toujours pas l'habitude de dire le mot étoile là. Hop. Non, non. Je regarde toujours l'enregistrement parce que comme j'ai l'impression qu'il bug un petit peu depuis ces derniers moments. Ah mais comment... Ah lui comment il m'a bien eu. Je veux dire comment je l'ai bien eu l'autre Eris. Oh, purée de pomme de patate. Mais non, mais je veux faire un saut en longueur, monsieur. Mais non. Voilà. J'ai pas envie. J'avais pas envie de faire le tour là. Bah voilà, on peut déjà se barrer du. Enfin, mais il faut finir le... l'aventure principale, ma gueule. Ok, bah... je vais voir par là. J'ai même pas fait exprès. Là, il y a un truc. Juste récupère les pièces violettes sans me casser la queue, quoi. Sur le flanc, sur un flanc escarpé. J'en ai marre de ces textures. Nine, 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 nine. Voilà. Merci. On voit ce qu'il y a derrière le mur de fromage là-bas. Ok, un navet. Mais il faut le ramener là-bas, quoi. Un truc pas chiant. C'est pas chiant, ça. Merde, il l'a détruit le con. Ah. Et bah, vous savez quoi, regardez. Hop, magie. J'ai récupéré tous mes points. Parce qu'on utilise les du jeu, bah oui, on s'en fout. T'es fou. Là, il y a une bicham, on s'en fout. Hop. En poussez-vous, j'ai une popotée à faire. Hein. Une popotée. Nine, 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 nine. Nine. Nine, nine, nine. Et quel con. Je suis obligé de tout refaire. Nine. Je ne veux pas. On accélère. C'est chiant. On va faire d'abord ça. Comme ça, ce sera fini.
a l'air d'être un niveau très 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 chiant. Très chiant. Et voilà, qu'est-ce que je dis? J'ai glissé. J'ai glissé à cause de... des dérapages des pots de boue là. Et aussi un petit peu de la faute. Et des fois il fait de ses virages le pot de boue. Je suis une tomate. Là je suis sur un truc. Voilà. J'avais pensé aux pièces violettes mais non, elles sont là-bas. Yolo. Voilà, voilà. Je me jure, au revoir. Oh mon dieu, ça va. S'en fout, on va essayer. Je me suis raté. Non, par là. Par là, voilà. Je pense que cette partie, ce niveau-là va être coupé en deux. Ça me fait chier, mais bon. Là, je me rends compte qu'on est déjà à 40 minutes. Oh la vache. Parce qu'après, c'est beaucoup, beaucoup trop. Sur un Galaxy, ça m'aurait pas fait chier, mais là... Déjà, ça m'emmerde un petit peu. Bon, à la rigueur, là, il y a un peu plus de challenge que les lunes. Ah, mets-toi dans la tenue locale et fais une danse. Super. Enfin, fais rien du tout. Mets-toi au centre et puis ferme ta bouche. Hein. Et j'ai entendu dire... Non, j'ai lu surtout que jeuxvideo.com pour les musiques sont magnifiques. Non. Là, pour l'instant... Il y a juste eu le premier thème là qui est bien. Et puis le thème de New Donk City lorsque Pauline chante, c'est tout. Hein. Pas déconner, merde. Dans Galaxy, t'as pratiquement toutes les chansons qui sont stylées. Pratiquement. Tu en avais bien des pourries. Et là, pour l'instant, moi, celles qui m'ont marqué, c'est le thème. De la première du premier pays là, Théropode, si je sais pas de conneries. Il y a Théropode et il y a comme j'ai dit le thème de Pauline, hein. Il y a rien d'autre à dire. Oui, viens là. Si tu tombes ou si tu te prends un coup, le truc il disparaît. Youpi! Allez. Mais merde! Oh mon dieu, j'ai encore pété le navire sans faire exprès. Mais parce que moi ça me fait les couilles! Mais c'est parce que je voulais faire! Je voulais faire le plongeon! Je ne voulais pas me suicider! Je ne t'aime pas non plus le jeu. Enfin, surtout ce niveau. Putain, vous imaginez si dans Galaxy il y avait un niveau comme ça. Un niveau aussi moche, hein. Il n'y a pratiquement pas des niveaux moches dans Galaxy. Et dans le 2, on parle même pas. Il n'y en a quasiment aucun.
Bon, après le 2, les musiques sont pas si mémorables que ça. Mis à part la musique du thème de Yoshi. Elle me trotte encore dans la tête. Le changement de musique. Ça c'est combien du coup? 3. On en a raté un du coup. Ah là, après il y a une lutte, j'ai pas vu. Oh mon dieu. Oh, ce loup, pas je comprends. Je pense qu'on va finir la quête et après on arrêtera. Enfin, on va voir la quête de ce qu'il faut finir. On arrêtera. Le mauvais mouvement en fait. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Saleté, pourquoi saleté de capi, de crotte de bique là. Pourquoi t'as voulu faire ça? Non, je veux pas faire ça, merde. Mais c'est pas ça que je veux faire, prendre du... Mais arrête. Putain, mais des fois je veux pas qu'il fasse ça, je le fais. Et quand je veux qu'il fasse le plongeon, il le fait pas. Voilà, là il a enlevé le chapeau, merde. Merde. C'est pas possible. Pourquoi il veut pas sauter dessus? Techniquement j'ai pas envoyé une fois le chapeau, donc il aurait dû sauter dessus. Alors, réellement, tu peux sauter une fois et après tu peux plus. Et là je veux pas du tout, je comprends pas. La technique ninjutsu. C'était très mal fait. On va recommencer là-bas au bout du fromage. Ah mais... saoulé de pas faire le bon mouvement là. Là il le fait, mais il le fait dans le mur. Ah, normalement je suis censé rebondir dessus. Ah, mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Mon dieu. Ah mais... mais c'est pas possible. Oh mon dieu. Merde. Quand je veux qu'il fasse le... le truc, il le fait pas. Il fait la charge au sol, c'est débile. Ah
ça qui est chiant, il y a plein de boutons et tu te différentes commandes en, sur les mêmes boutons quoi. Voilà, merde, c'est pas compliqué. Celui-là, voilà. Mon dieu, il m'a fallu 5 minutes pour le réussir. Ok, il était là. J'ai cru qu'ils s'étaient tapés entre eux, mais non. Allez. Mais je m'en fous de ta vie. Du coup, on va profiter qu'on est à côté. Pour acheter la lune. Oh mon dieu, c'est quoi ce costume de merde? Oh mon dieu, il doit être horrible à voir. Oh mon dieu l'horreur. Oh la vache. Oh mon dieu mais c'est moche. Paye tes cauchemars quoi. On va acheter la tenue du cuistot. On va acheter le reste là. Voilà. Et je cible hein, les trucs de 64. Mais je m'en vais. Oh mon dieu, je préfère ça. Oh la vache, mais l'horreur quoi. Mario Clown. Je sais pas ce qu'ils ont fumé chez Nintendo quand ils ont eu cette idée. Oui, tais-toi. Laisse-moi rentrer. Fais pas chier. Comme ça, on va finir le niveau. D'accord. C'était juste ça. Rien sur le truc derrière. Un mijoté à feu vif. Ouais, il y en a une là-bas, voilà. Je disais aussi, merde. C'est comme ça. Ils reprennent leur forme. Petit marboulin. Puis je m'en fous. Clairement. Nine, nine. Si je me serais raté, alors la honte. Un mijoton à gros bouillon. En fait, dans le jeu, tu peux limite devenir invincible. Hein. Du moment que t'as des lunes à porter, tu t'en fous, t'es invincible. Le seul moyen de mourir, ce serait d'un trou.
Peut-être je suis con, pourquoi je me téléporte pas? Parce qu'il y aura un temps de chargement. Alors que vous voyez, là, j'ai fini. Oh là! Oh, le foufou! Non, monsieur, vous ne m'aurez pas. Regardez ce qu'il y avait là-bas, mais il n'y a rien. Par une créature. J'ai bien envie de voir ce qu'il y a. J'ai risqué ma vie pour les pièces. Mais cette viande a une moustache. Comme par hasard. Ça fait des plateformes. Regardez, un concombre et des carottes. Tout ceci, ce sont des plateformes. Vas-y, nous on va sur la... le mode YOLO. Non, pas par là. Mais purée. Voilà, j'ai pas fait le bon mouvement. Mon dieu. Ah, on passe, oui. On fond de la vie, c'est drôle. Je m'en fous. Je continuerai à passer sur le mode YOLO. Je m'en fous. Parce que j'adore les maïs. Et je le passe en... je le passe direct, là, cette fois-ci. Ça vaut pas les grandes étoiles de Mario Galaxy. Quel volcan il rentre en éruption. En remontant la cascade de l'arbre. Ah, d'accord, maintenant ça débloque un nouveau passage. On a été projeté jusqu'ici, Mazette, tu ne rigoles pas ce volcan. Ah, mais du coup, tout ça, ça sera pour le prochain épisode. En attendant, je vous dis bonne continue. C'était tout pour les aventures du Gamer Loser Luigi Tel 60 sur Super Mario Odyssey. Dans l'épisode suivant, bah, on continue. En attendant, je vous dis bonne continuation sur YouTube ou sur Internet. Ne fêlez pas dans la vie comme dans les jeux. A plus. Time to jump up in the air. Jump up, don't be scared.